Bon, on va partir sur chargeur, on fait vite. Ah bon, voici là. Tout pas tout nu. Depuis qui laisse année comme ça? Alors? Mes cousins moi même prendre l'eau. Alors depuis qui laisse à plein comme ça? Depuis moi à 7h du soir. 7h hier soir. Hier soir. La wow. Pluie a tombé comme ça. Ouais. Et moi en j'avoue de l'autre côté ici, mais c'est première fois avoir de l'eau comme ça côté ici. Première fois. Alors à, ça nous voit là, abri là, nous voit là. C'est un abri normalement. Un abri. Alors, nous l'avons dépassé. Là, les gens viennent là, ils ont quoi assisé là, et ils n'y vont pas. Abri là, c'est bon. Alors, ils demandent de l'eau là. Ouais. Et tout bouillon là, quand vous pensez qu'il a fait tout bouillon là? Tout bouillon là, c'est. Ouais, tout là, il a fait là comme ça parce que ça bouche. Tout ça bouche. Il a fait ouais, tout là. Alors, il a trouvé, il ne peut pas passer son grand tour. Ouais. Mais, il bouche. Ouais. Allez, oubliez pour un tout bouillon. Vous continuez. Ok, d'accord. Merci, à tout à l'heure. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que vous avez passé le jour de la même? Et. Allez, qu'il est. La pile là? La même jour de la. Vous pouvez attendre pour la pile passer. C'est saison à la pile qui est toujours tombée. Ok, d'accord. L'état n'est pas seul, mais vous pouvez faire. Vous voyez, nous là, ça. Ouais. C'est couper ça pour de l'eau là passer. Parce que de l'eau là, pas qu'à passer à dans ces regards là, vous faites là. Il ne va pas passer là-dedans. Ok, merci, à tout à l'heure. Alors c'est voiture qui l'a comme ça alors? Voiture qui l'a comme ça. Alors mais bandit ont bité, mais qui ont fait voiture dans l'entrée là comme ça? C'est Ined Mata fait demi-tour. Il a regardé en pâté cavoué, en pâté cavoué encore. En pâté cavoué, on comprend que c'est là qu'il a quitté là. Il a regardé en d'autres, c'est un canal qui l'a. Ouais, autour de canal là. Et en dehors, autour de canal. Alors depuis à qui il est plein comme ça? Depuis Ined Mata. Depuis Ined Mata ça plein comme ça? Depuis Ined Mata ça plein. Bon, et bien dis donc, et bien là, je là, c'est du tout. Là, il est en Guadeloupe. La Guadeloupe a arrêté. Et c'est ça pour dire. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, la Guadeloupe, c'est fini. La Guadeloupe est inondée. Personne ne peut plus passer. Je vais faire les clous, je vais faire les clous. Et il y aura du intelligent.
Il y a des diplômes, il y a des comités aussi. Accident, 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 les gens ont pris la nationale en contre-sens. Depuis à qui l'aide là comme ça? Mais depuis à minuit, station à l'année. Ouais. Depuis à qui l'aide? Je fais quoi depuis moi? Oui, en fait, je vais parce que quand je suis là, je ne suis pas jamais mené. Ouais. Il plaît même. Il plaît tout partout. Ah oui, tout partout même. Même garage à l'une ou à poussette la pluie aussi. Hein. Bonjour. Alors tu habites en Grand-Bé alors? Oui, tout alors, à fait. Alors ça a commencé depuis quand? Depuis à quelle heure? Comment s'appelle cette tempête? Alors, cette inondation? C'est depuis hier soir. Hein. Hier soir, moi j'étais à Sainte-Anne. Et bon, il pleuvait un petit peu. Et au retour, il pleuvait beaucoup, beaucoup, assez. Vers les minuit par là. Et donc ce matin, hein, on va dire que je me suis endormie vers les 2h du matin et au réveil, j'ai vu énormément d'eau qui est même carrément va à l'intérieur des maisons. Et bon, ben. Alors vous êtes réveillée à 2h du matin? Alors, si, non, si... je me suis endormie à 2h du matin. Ouais. Et il n'y avait pas tout ça, effectivement. Hein. C'est, alors c'est... ça a dû commencer à 2h du matin. Alors, voilà, je pense que ça a dû augmenter. L'eau a dû monter vers les 3h, 4h à ce niveau-là. Hein. Donc il y a énormément, y a énormément d'eau. La digue tient le coup, hein, puisque. Ouais, c'est ce qu'on allait voir. Voilà, la digue tient le coup. Donc entre la mer et les habitations, il n'y a pas d'eau. Il y a forcément de l'eau autour des habitations, mais en tout cas, la digue tient le coup. Est-ce que vous avez eu des dégâts? Personnellement, non, nous, personnellement. Non, nous, ça va, on n'a pas de dégâts, puisqu'on est quand même un petit peu en hauteur hein, par rapport à l'eau. Mais il y a quand même quelques maisons, je pense que j'ai vu en tout cas quelques vidéos, il y a quand même quelques maisons qui sont un petit peu sous l'eau. Ouais. Et j'ai même vu la station-service de la Brousse, ouais, qui est carrément dans l'eau et le magasin, il est carrément dans l'eau. Hein. Le problème à Grand-Bay, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous avons la mangrove. Ouais. Nous avons la mangrove qui aspire l'eau, puisque de l'eau sort de la Brousse, de et toutes les terres du Gosier et de Sainte-Anne, pour pouvoir descendre vers nous. Et c'est la mangrove qui retient l'eau. Et heureusement qu'on l'a, sinon effectivement on est sous l'eau. Oui, tout à fait. Donc nous le collectif surveille bien les travaux que font la mairie du Gosier. Et nous souhaitons vraiment que la mairie du Gosier puisse ne pas toucher la mangrove. Parce que ouais, si la mangrove est touchée, ils veulent combler ou faire des constructions, quelque chose en tout cas qui modifie justement cette mangrove. Il se pourrait que justement ce genre d'événements ferait qu'on serait vraiment sous l'eau. Donc cette mangrove nous a, on peut dire, sauver un petit peu. D'accord. Donc voilà, c'est okay. ce que j'avais à dire. Ok, bien, je vous remercie énormément. Merci. Je continue parce que c'est vrai qu'on a encore à voir. Super. Mais collectif, je suis avec le collectif. Et on est toujours pour parler. Super. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, depuis ce matin, je suis à Grand-Bé. En fait, depuis mon matin à Grand-Bé, en vrai, ils n'ont pas un petit bain de l'eau Grand-Bé. Ils n'ont pas inondé, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais vous avez pris un petit peu d'eau. Alors, depuis à qui l'eau là? Oui, depuis à. Bon, on va dire à peu près depuis. Debout on va dire, oui, exactement. Ben, on n'a pas dormi à Gazan, mais quand même. En trouvant un petit côté pour cacher à d'abri poussette. Donc moi, en cas de moi à Mathurin, Bosé, Mathurin, voilà. Donc moi, en fin de gobe, bon, allez là, il doit c'était 6h30. Mais ça fait un petit moment depuis à l'aide de 23h, on trouvait moi bloqué. Pour entrer Mathurin, on trouvait moi bloqué. Mais allez là, on trouve moi Grand-Bé,
tout était bien pour le moment, pas une lave. Mais ça inondait toujours, l'eau là a baissé petit à petit. Mais petit à petit, l'eau là a fait sa affaire. Tout était a fait sa affaire. Voilà. D'accord. Mais quand même, nous là, bien, tout le monde a bien pour le moment. Bon, tout le monde a bien. Bon, c'est voilà. Ça, vous faute. Alors, ouais. Ça, en vrai, Diga bien supporté, Diga supporté, charge à Doula. Oui, bien sûr, oui. C'est ce qui est important. Oui. Hein, Doula a soukilé, Doula a descendu petit à petit. D'accord. Oui. C'est petit à petit que Doula a descendu, c'est petit à petit que Doula a fait sa affaire. D'accord, ok, très bien. Oui. Ok, à tout à l'heure, alors, on continue à descendre. Ok, d'accord, on yes. Dit, hein? Oui. Force. Yes. Ah bon, ok, yes. Force et courage. Ok. Pour nous tous, okay. Guadeloupe. Tchèbered, pas molli. Ok. Ouais, c'est là, ouais, c'est là. Allez, bon, viens. Devine, devine. Bien. La Guadeloupe, regardez. Allons-y. Vas-y. Non. Mais ici, pourquoi faut qu'on attend l'eau, elle est trempée. Ok. Hey, l'eau.